Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct de Londres. Et si on vient chez vous, c'est parce que l'expérience a déjà débuté en Grande-Bretagne. Alors racontez-nous comment ça se passe, Maryse. Eh bien oui, Thomas, nous avons testé pour vous cette formule cet après-midi dans un hôtel de Londres, 79 livres sterling, c'est-à-dire 88 euros pour s'installer dans une chambre et y travailler de 8h à 18h. C'est moitié moins cher que si vous y passez la nuit. Alors bien sûr, il s'agit de rentabiliser cet hôtel. Il est quasiment désert, seulement 20% des chambres sont occupées. Nous avons un peu parlé avec le responsable de cet établissement et on sent bien l'espoir très, très, très ténu de tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Cette offre s'adresse finalement à des salariés qui, par exemple, en ont assez du télétravail. Mais pour les entreprises, c'est vraiment un coût énorme. Donc l'hôtel, finalement, ne communique pas vraiment sur la réussite commerciale ou non de cette offre qui existe depuis le début du mois d'août. Merci beaucoup, Maryse Burgot.